Yo tout le monde, c'est Martissac. Je vais vous faire une petite vidéo tuto, c'est tout con. C'est un glitch qu'on m'a expliqué lors de mon live. Ça m'a un peu choqué parce que au départ je me suis dit ouais c'est un plaisantin, c'est un troll. Non non du tout, en fait c'est vraiment un truc qui existe vraiment. Il faut aller simplement dans les options. Dans les options en fait il faut aller dans le langage pour se mettre en anglais. Vous faites oui, ça va redémarrer du coup le logiciel tout simplement, donc le jeu en soi. Et vous allez en fait faire un décalage horaire en passant d'une langue à l'autre. Et du coup, vous allez passer 6 heures plus tard. Il faut savoir que certains personnages se débloquent avec un temps de jeu. Et oui, ça, c'est le cas, il y en a certains. Et ce glitch en fait, cette petite astuce, on va dire ça comme ça pour être plus correct, eh ben, elle permet de faire des combats rapides pour débloquer des personnages rapidement. Sans avoir à faire des histoires ou etc. Donc en fait il suffit de créer une partie de ce match de combat simple, de mettre une seule vie tout simplement, c'est tout con hein. De prendre n'importe quelle map où on peut chuter, parce qu'il va falloir faire simple hein. Vous n'avez pas le temps, on va se mettre dans ce cadre là. Donc prenez votre personnage que vous maîtrisez à peu près, sachez-le que si je perds dans le combat je m'en fous hein. Même s'il y a un autre mob qui va pop, de toute façon ça pop instant à chaque fois, à chaque fin de game. Donc là c'est simple, on suicide tout simplement. À partir du moment où on s'est suicidé, le jeu va se dire qu'il y a 6 heures de temps de jeu entre les deux langages. Donc à ce niveau là, il va enclencher du coup, comme on peut le voir, un nouveau challenger. Donc là, je vais combattre simplement. Hein, je vais faire ça en deux spi, parce que je vais quand même illustrer correctement le fait que ça fonctionne sur la langue française après par la suite. Bon, hop, je vous permets de voir un combat de noob. Allez hop hop hop, allez crève, t'es pas hein. Pourtant il me tarif hein. Là il va me tarif. Voilà hop. Donc du coup j'ai débloqué Sonic. Sonic est un personnage utilisé par des personnes n'ayant pas de race, désolé de le dire pour ceux qui l'utilisent, hein, vous pouvez le mettre dans les commentaires YouTube, hein, n'hésitez pas. Donc là tout simplement j'ai débloqué, j'ai fait ma game, je vais dans les options, dans langage, je vais repasser en français du coup, oui. Donc là ça va redémarrer bien évidemment, donc on reprend sa session etc. Et du coup là on va refaire la même procédure. Donc le temps que le jeu se démarre, voilà, vous pouvez mettre une petite musique d'ambiance, vous ambiancer, manger un petit coup, boire du Coca-Cola ou je ne sais trop quoi, histoire de penser aux Américains. Et du coup, on va relancer, comme je le disais, une game avec une seule vie. On va se suicider de nouveau, tout simplement. C'est tout con. On va se suicider de nouveau. Parce que là, concrètement, on a remis 6 heures de décalage. Donc on reprend un personnage qu'on maîtrise pour pouvoir combattre les futurs personnages. On voit bien que Sonic, il a été débloqué ici. Hein. On le voit très bien. Hein. Donc je préfère vous le montrer que c'est vraiment véritable. C'est pas genre j'ai coupé, j'ai cut, je suis allé combattre le Sonic ailleurs. Tout simplement. Donc là, je vais me suicider. Voilà, tout simplement. Donc c'est fini, le PNJ, enfin le bot a gagné. Voilà, victoire de Mario. Et du coup, un new challenger. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En faisant cette procédure-là, on rajoute 6 heures à chaque fois. Donc au final, on peut débloquer des persos ultra. Tous les persos en fait, tout simplement, ultra rapidement. Par contre, celui-là, il a une range. Allez. Ouais, je le spam, hein, je sais.
Il a résisté longtemps quand même. Il a pas mal résisté avant de tomber. Et du coup, voilà, j'ai débloqué Sylvie. Donc, sachez-le, les personnes qui veulent rusher pour avoir les personnages pour pouvoir jouer avec leurs potes, vous pouvez faire cette option-là. Sinon, les autres, hein, bien sûr, faites le jeu au complet, amusez-vous, prenez le temps. Ça prend du temps, certes. C'est un peu de rage dans certains cadres. Mais n'hésitez pas. Après, n'oubliez pas que vous débloquez une option qui vous permet de recombattre les challengers qu'on n'a pas réussi dans les extras. Donc ça apparaîtra normalement juste derrière moi là, ici il y a une porte, mais c'est pas tout le temps le cas, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide et j'espère que ça vous a plu, malgré que je sais que c'est un côté assez négatif dans le milieu du jeu vidéo de faire des facilités comme ça. C'est pas mon cas, c'était juste pour vous montrer parce qu'on me l'a expliqué, je l'ai testé et je voulais vous la montrer tout simplement. Voilà, sur ce, c'était Martissac, restez sages, abonnez-vous, peace.